on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous laisse avec la suite. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre qui nous a beaucoup plu. Il s'appelle La plus grande peur de ma vie. Et au fait, tu sais par qui il a été écrit? Oui, par Éric Pessan. Et a été aussi édité par l'École des loisirs. Bon, revenons à nos moutons. Nous avons décidé de vous présenter ce livre car il nous a fait rêver et nous a tenus en haleine. Tiens, si tu nous dis de quoi ça parle. Alors c'est l'histoire d'un groupe d'amis, Lali, Norbert, Jordan et David, qui du jour au lendemain se retrouvent entre la vie et la mort. Un matin, les quatre amis s'introduisent dans un manoir interdit et font la découverte d'un objet qui bouleverse leur vie. Allez viens, on leur dit un petit indice. Ok, cet objet date de la Seconde Guerre mondiale. C'est une... On ne leur en dit pas plus, à eux de le découvrir. Et après, ils vont vivre une incroyable aventure pleine de suspense et remplie de rebondissements. D'ailleurs, est-ce que tu sais où et à quelle époque s'est passée cette histoire? Oui, elle s'est passée à l'école d'un petit village dans les temps modernes. Continuons, tu en as pensé quoi, toi, de ce livre? Moi, j'ai trouvé que ce livre était bien car j'aime les romans avec du rebondissement. Il m'a montré les choses à ne pas faire, même quand on est harcelé. Il montre aussi les choses qui prouvent qu'il faut rester soi-même et ne pas changer pour quelqu'un. Et toi, tu en as pensé quoi? Alors moi, j'ai bien aimé ce livre car j'adore les romans d'aventure. Il montre les bons et les mauvais côtés de la vie et il a aussi d'incroyables rebondissements. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce livre. Une dernière chose, nous vous le conseillons vivement si vous voulez rêver et tout simplement profiter. Voyez, voilà, cette vidéo sur la plus grande peur de ma vie s'achève. Merci de nous avoir écoutés et bonne lecture. Ciao, ciao!